et de 2 parce que je crois que cette première à Paris elle est réussie. C'était vraiment notre objectif de faire de ce tournoi une grande première. On est parti sur un bail de 4 ans. Il fallait que la première marque les esprits. Je crois que et les gens dans les tribunes, la mobilisation populaire et le rendu de l'équipe a fait que cette première est réussie. Tu peux imaginer toi que tu t'es engagé à fait ici à Paris via les médailles pour le tournoi du Cercle Mondial. Je savais qu'on partait de loin. Je savais que les gens répondraient présent si on avait des résultats. Et je pense que notre démarrage vendredi soir a fini de donner envie à ceux qui étaient hésitants de se rendre au stade. Et c'est vrai qu'il y a 4 ans, j'y pensais pas du tout. Je me rappelais de Charletti en 2006. C'était assez clairsemé. Là, c'était pas clairsemé. Je crois qu'il y avait peu de sièges vides. Et puis on est dans un stade qui est magnifique. C'est un stade qui résonne, qui fait ressentir l'ambiance au milieu du terrain. Je crois qu'on a vécu un week-end unique. Cette journée, comment vous l'avez vécu? C'était un peu les montagnes russes encore une fois, une très bonne entame. Un match contre les petites très galères que tu as vécu personnellement sur le banc et puis un dernier match où vous mettez énormément de cœur. Et je crois que finir ce tournoi sur une défaite, ça aurait été gâcher la fête. On est allé assez loin dans le tournoi. On espérait gagner contre les Fidji, on a joué une très très belle équipe des Fidji. Les Fidji vont sûrement la semaine prochaine remporter le World Series. Donc il n'y a pas à rougir de cette défaite. Par contre, on avait envie que les gens soient fiers de nous, on avait envie d'être fiers aussi de nous. Et ce dernier match contre l'Argentine, quand on les joue les Argentins, c'est toujours le cœur qui prime. Et là du cœur on en avait et on finit de la plus belle des manières. Je crois que on devait en être public, à notre famille, de faire un beau finish. J'ai bien deux podiums dans la saison, avant Rio. C'est presque mieux que ce que vous ambitionnez en début de saison, non? Mais ouais, c'est vrai qu'en début de saison, on fait un bon démarrage, on fait un podium à Cape Town. Derrière, on perd beaucoup de joueurs, on galère un petit peu, on se refait un petit peu la cerise. Et derrière, il y a eu Singapour où il y a quelques joueurs qui ont repris un petit peu les manettes. Singapour était un peu mi-figue, mi-raisin. Il fallait confirmer la première journée de Singapour et je crois que là, avec quasiment l'ensemble de l'effectif, il manque encore des joueurs comme Vincent Inigo qui sont des joueurs importants. Avec quasiment l'ensemble de l'équipe, on est revenu sur le podium. Ça veut dire que à effectif complet, on peut vraiment avoir l'ambition du podium dont on parle depuis le début. Est-ce que vous n'avez pas justement fait sauter les barrières psychologiques pour croire à ce podium? Si, bien sûr, à partir du moment où on se met à croire que l'on est capable de battre tout le monde, chose que l'on a fait, on peut continuer à rêver, on peut arrêter d'être frileux, arrêter de croire que la fatalité va encore s'abattre sur nous. Là, on a vu, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce match contre l'Argentine, le dernier, c'est-à-dire qu'après les Fidji, il y avait un certain abattement parce qu'on avait envie de gagner le tournoi de Paris, mais on a su se remobiliser, tout le monde a participé. Il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué sur le tournoi, qui sont bien rentrés sur le dernier match, et ces joueurs-là, ils ont fait le taf, et ils sont rentrés avec une envie énorme, ils ont fini d'assommer les Argentins, et ça veut dire que le groupe, il est large, et il a un énorme cœur.